Moi je parle à haute voix, au-dessus du silence hypocrite de ce monde. Je parle au-dessus de tous ces regards qui en disent non à la longue. On se réfugie tous dans un camp avec nos principes et nos guerres en hausse. Et on est persuadé de s'entretuer pour des bonnes causes. Le pire c'est que chacun de son côté on pense avoir raison. On marche à reculons, on se dirige vers le chemin de la perdition. Mais c'est bien l'homme, ce n'est ni les lois ni les religions. Ouais c'est bien l'homme au bon vouloir son interprétation. Dans ceux qui pensent avec les tripes parlent avec le cœur. Parmi eux maintenant on sait qu'on a de très bons acteurs. Quand tellement de choses qu'on vient sauf et bluffer sur toute la ligne. Faudrait qu'on se batte comme Monsieur X ou Monsieur King. On s'est trop dit que c'était perdu d'avance, qu'on pourrait jamais changer ce monde suite à sa déchéance. Et on nous a trop bourré le mot à croire que l'espoir n'a aucun sens. Nous on relève la tête et les deux poings, avance d'un cran pas vers sa renaissance. On s'est trop dit que c'était perdu d'avance, qu'on pourrait jamais changer ce monde suite à sa déchéance. Et on nous a trop bourré le mot à croire que l'espoir n'a aucun sens. Nous on relève la tête et les deux poings, avance d'un cran pas vers sa renaissance. On m'a fait croire que j'étais pessimiste le jour où j'ai ouvert les yeux et que j'ai écrit en étant réaliste. Ça me rappelle simplement le comportement d'une catégorie de gens. L'esprit rivé vers le néant et qui refuse de voir le pire, refuse de le changer. Je refuse de camoufler le mal pour me libérer du danger. Je laisse ce système aux politiciens, aux forces de l'ordre, à l'éducation nationale et à la droite, à gauche en vain. Je combats la bêtise des clichés sur l'apparence et le style, parce qu'on se concentre sur moi sans voir passer les pédophiles. À croire qu'on fait le sens de la vue nous rendre l'homme plus juste. Et mes ancêtres n'auraient peut-être pas eu de marque de fouet sur le bus. On s'est trop dit que c'était perdu d'avance, qu'on pourrait jamais changer ce monde suite à sa déchéance. Et on nous a trop bourré le mot à croire que l'espoir n'a aucun sens. Nous on relève la tête et les deux poings, avance d'un cran pas vers sa renaissance. On s'est trop dit que c'était perdu d'avance, qu'on pourrait jamais changer ce monde suite à sa déchéance. Et on nous a trop bourré le mot à croire que l'espoir n'a aucun sens. Nous on relève la tête et les deux poings, avance d'un cran pas vers sa renaissance. On est rendu au coin de ce marais lorsqu'on parle de paix. On veut que la vérité éclate là où tout le monde se tait. Parce qu'on a compris la ruse du sens pratique des médias. Et comme un troupeau de moutons, l'effet est à chaque fois immédiat. Je passe pas mes connaissances que sur ce qu'on a voulu m'apprendre. Je prends ce qu'il y a à prendre pour réfléchir, moi je fais partie d'aucun membre. Je fais du bruit, j'ai cette odeur qu'un certain Jacques n'aime pas. Mais je crois que les présidentielles font perdre l'ouïe et l'odorat. Dis-moi si j'exagère, être sincère c'est rare comme un gars qui porte un t-shirt Ben Laden en plein Times Square. Et pour chaque autre pays et chacune de leurs misères, c'est pas une minute, c'est une année de silence entière qu'on pourrait faire. On s'est trop dit que c'était perdu d'avance, qu'on pourrait jamais changer ce monde suite à sa déchéance. Et on nous a trop bourré le mot à croire que l'espoir n'a aucun sens. Nous on relève la tête et les deux poings, avance d'un cran pas vers sa renaissance. On s'est trop dit que c'était perdu d'avance, qu'on pourrait jamais changer ce monde suite à sa déchéance. Et on nous a trop bourré le mot à croire que l'espoir n'a aucun sens. Nous on relève la tête et les deux poings, avance d'un cran pas vers sa renaissance.